salut à tous. Aujourd'hui, comment vous allez? Là, je suis parti voir la librairie aujourd'hui. Donc, là, j'y suis juste devant. Il y a une queue pas possible aussi. Enfin, je crois que tout le monde voulait faire comme moi, aller le matin. Je te jure, il y a une queue. Ah, bon de Dieu. Je vais y aller. Je vais que faire la queue parce que j'ai envie de voir la librairie. Donc je vais faire la queue et après on se rejoint à l'intérieur. Mais regarde la queue, je sais pas si vous voyez. La pince là, elle fait tout le long là-bas. Et là, elle passe la librairie. Donc ouais, ben je vais faire la queue quoi. Allez, bisous. Donc ouais, la queue était beaucoup plus courte que je pensais. Elle durait qu'une demi-heure. Et en fait, regarde, tu rentres dans ça. Elle est jolie, tout le décor est là. Et cette librairie, elle est reconnue à Porto. C'est ça pourquoi il y a une queue, mais la queue, elle ne durait qu'une demi-heure. Elle est hyper longue. Donc, je vais faire un petit tour. C'est juste qu'il y a beaucoup beaucoup de monde et on fait un peu la queue partout dedans. Et regardez-moi ça. Il y avait beaucoup trop de monde, mais en fait c'est 5 euros l'entrée et tu payes bah moi j'ai payé par internet. En fait t'as un site internet où tu peux acheter le ticket, donc c'est 5 euros l'entrée et c'est trop beau, c'est un truc à visiter et tout. Il y a plein de livres comme moi je kiffe trop les Harry Potter, mais en fait la couverture a changé tout, trop stylé, mais j'ai pris quelques vidéos à l'intérieur, donc je pense que vous l'aurez déjà vu là. Mais c'est trop beau à l'intérieur. Si vous venez à Porto, venez la voir. Franchement, ça vaut l'argent. Et aussi, en fait, vous achetez le ticket 5 euros. Mais si vous achetez un livre, ben en fait, c'est déduit. Donc ils feront 5 euros de moins. En fait, ton ticket, il est remboursé. Donc si le livre coûte 15 euros, ben, vous payerez que 10 euros pour rembourser le ticket. Voilà. Ben, moi, j'ai pas acheté le livre parce que voilà. Là, je pense que je vais retourner à mon auberge de jeunesse parce que je voulais surtout voir ça aujourd'hui. Et je vais essayer de monter quelques vidéos là pour vous. Et on verra ce qu'on fait cet après-midi. Bisous. Et je vais dire, dites-le-moi si. Dites-le-moi si vous voulez des suggestions de vidéos. Par exemple. Un guide sur Porto, ou quand j'aurais fait le Portugal, un guide sur le Portugal tout court. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous voulez que j'aille visiter? Quel monument, quelle place, des endroits stylés que je puisse vous amener avec moi. Si vous avez des suggestions, dites-le moi. Et je vous amènerai avec plaisir dans ces endroits-là avec moi. Donc des guides, des tutos, j'en sais rien quoi. Ou plus de vlogs. Juste dites-le moi et j'essayerai de les faire. Donc là les guys, je suis en train d'essayer de chercher un
une sorte de petit supérette ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai cherché à manger parce que j'ai pas mangé toute la journée, j'ai même pas mangé ce matin. Et donc je cherche, faut que je peux acheter des pâtes et tout. Et aussi mon disque dur externe, il est mort. Donc j'ai perdu quelques vidéos et tout, et c'est trop chiant. Donc j'ai un petit problème avec quelques vidéos parce qu'ils sont mortes. Et mon disque dur, il est mort. Donc faut que je rachète un nouveau disque dur. Parce que mon PC, j'arriverai pas à tout stocker sur mon PC. Donc là, je vais essayer de chercher une super superette. Acheter des pâtes pour ce soir et tout. Et voilà, un peu ma journée aujourd'hui. Donc, ah putain, je suis trop dégoûté pour mon disque dur. Ah vraiment. Ça fait 10 minutes que je marche et j'ai enfin trouvé la sorte de superette que je cherchais. Enfin j'ai trouvé. Donc je vais essayer de m'acheter des pâtes et je sais pas quoi, des conneries. Et peut-être un truc pour faire mon linge, parce que j'ai rien pour les laver. Si je les nettoie que à l'eau, ça va puer déjà. Donc je vais essayer de trouver des trucs pour laver, si je peux le laver dans un lavabo. Je vous amène dedans. Donc ouais, là je sors de supermarché. J'ai pas pu filmer à l'intérieur parce que déjà dès que je suis rentré avec ma caméra, on m'a dit de ranger ma caméra, donc j'ai rangé dans mon sac. Et j'ai acheté deux paquets de pâtes, un paquet de biscuits, une sorte de déodorant. Mais j'ai pas trouvé des trucs pour le mon linge, mais parce que j'en sais rien à quoi ça ressemble. Donc je pense que je vais appeler ma mère pour savoir qu'est-ce que je dois acheter et tout. Mais voilà. Donc là je vais rentrer à l'auberge pour manger mes biscuits parce que là je commence à avoir un petit peu faim. J'ai gardé mon paquet de pâtes, un sort de pot de pâtes pour ce soir, hein, pour demain midi, et après je verrai. Mais ouais. On se rejoint à l'auberge. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris deux pots de nouilles comme ça. Ça me fera ce soir et tout. J'ai acheté ça pour grignoter. Et un petit déodorant. Voilà, j'en avais pas. Voilà. Aujourd'hui c'est très calme. Je fais rien d'extraordinaire sauf que j'ai juste visité la librairie ce matin. Ça c'était sympa, c'était beau. Ça c'était beaucoup plus beau que le monastère et tout. Donc voilà, et j'irai peut-être me promener cet après-midi. Ou je reste ici. Ça va regarder des séries et tout. Donc. Aujourd'hui c'est très calme, j'ai envie d'être tranquille aujourd'hui. Donc. Voilà, donc si je fais un autre truc, je vous redis, c'est pas un problème. Allez, à tout à l'heure. Je vais filmer à tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc là, je suis en train, je sais pas si vous m'entendez avec tous les voitures qui passent à côté, mais là j'ai vu une tour au loin, et j'ai trop envie de voir ce que c'est. Elle a l'air stylée et tout, donc je vais aller voir et. Tiens au courant ce que c'est, si j'arrive à savoir ce que c'est. J'arrive pas à le trouver, mais je l'ai vu au loin, et c'est vers là. Mais quand je la trouverai, je vous la montrerai. Là c'est stylé, bah, de loin, après de près je verrai. Donc j'ai enfin trouvé la tour, c'est ça. Je sais pas ce que c'est exactement. Donc je vais aller voir.
Mais ça doit être un sort de mairie ou je sais pas quoi à Porto. Je sais pas. Attends, je vais aller voir. C'est écrit pas. Attends. Je sais pas si vous arrivez à voir. Praça do Municipio. Bon, j'en sais rien. Je sais pas. Je suis pas encore. Donc voilà. J'avais continué à me promener et trouver d'autres choses. Intéressant à voir quand même. Là, je sais, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, mais je vais quand même terminer là avec un beau coucher du soleil. Donc ouais, je vais finir la vidéo là et on se voit demain ou à la prochaine vidéo. Bisous bisous tout le monde et à la prochaine.